c'est un exosquelette qui permet au paraplégique de marcher totalement, qui est totalement autoporteur. C'est-à-dire qu'une personne paraplégique qui ne tient pas debout sans exosquelette, avec celui-ci, va pouvoir se tenir debout, s'asseoir, monter les marches, descendre les marches et pouvoir marcher en totale autonomie. Tous les paraplégiques ne pourraient pas l'utiliser. Des personnes qui ne peuvent plus plier les jambes à certains degrés ou qui ont de l'ostéoporose, choses comme ça, on ne pourra pas les mettre dans le Rewall parce que ça va aggraver les problématiques qu'ils ont déjà. Ça fait 5 ans que j'ai eu mon accident et que je suis en fauteuil roulant. Et donc ça fait 1 an que j'arrive à remarcher avec le Rewalk. Donc c'est tout simplement génial. Déjà de me retrouver debout sans être dans un fauteuil roulant qui me verticalise ou dans une table de kiné, ça a été vraiment incroyable. Déjà ça a été un travail parce qu'on n'est plus habitué, enfin on ne marche plus du tout, donc on n'est plus habitué à l'équilibre d'une personne qui est debout. Et puis ça a été vraiment après le plaisir de pouvoir se déplacer autrement que dans un fauteuil roulant. Donc ça veut dire que je laisse mon fauteuil à côté, je me mets dans la machine et puis après je suis 100% autonome. La personne s'installe dans le Rewalk, la personne va simplement basculer son buste vers l'avant pour déclencher le Rewalk. Les deux batteries qui sont à l'intérieur permettent d'utiliser le Rewalk entre 8 et 9 heures. Donc tout est contrôlé par la montre. Donc là, on va pouvoir décaler avec les boutons de chaque côté pour donc le mode assis, le mode debout, le mode marche et ensuite de pouvoir monter ou descendre les escaliers. Le Rewalk est testé en France dans 2 centres, donc le centre de Carpap qui est à Lorient et le centre de la Tour de Gassy qui est à Bordeaux. Il y a à peu près 40 de personnes à l'année qui essayent ce Rewalk. L'exosquelette ne remplace pas le fauteuil roulant. On va pouvoir l'utiliser plusieurs heures par jour, 1 heure, 2 heures, 3 heures, après... Tout dépend de la capacité de la personne. Pour utiliser le Rewalk, il faut à peu près entre 6 à 8 semaines de rééducation. C'est environ 40 heures en tout pour utiliser le Rewalk tout seul. Ce que me fait l'exosquelette aussi, ça me permet de me verticaliser. Donc il y a tout ce qui est les bienfaits d'être debout, donc tout ce qui est circulation du sang, au niveau du transit. Ça me permet aussi de mobiliser mes muscles. Vu que je suis toujours assis dans un fauteuil, là de pouvoir me retrouver debout, ça me mobilise le dos. Et puis même il y a la mobilisation de la marche qui me permet de mobiliser mes jambes.